Pour mesurer l'état des droits de l'homme dans un pays, il faut d'abord acquérir les méthodes nécessaires pour une meilleure gestion des prisons et la situation des personnes qui y sont incarcérées. C'est de cette façon que les participants de cet atelier voient les choses. Après une série d'ateliers de travail, celui-ci en particulier a vu la participation d'officiers de police et de gendarmerie nationale. Il y avait aussi des procureurs de la République et des juges. Cela va permettre de connaître les normes internationales afin de mieux prendre en charge les détenus. Cette même personne nous explique ensuite que le nouveau code de procédure pénale protège les libertés et crée un équilibre dans la protection des droits des individus. C'est une bonne chose car ce nouveau code prévoit de protéger les droits et la dignité des personnes incarcérées. Les choses vont changer en Algérie. Désormais le prisonnier est considéré comme une personne ayant commis une faute mais qui va réintégrer la société. Nous sommes ici en tant qu'organisation internationale. Notre devoir est d'être conforme aux normes internationales qui exigent qu'on prenne en considération la situation des détenus selon la loi. Le détenu peut faire appel à un avocat, effectuer des appels téléphoniques pour contacter sa famille, il peut même avoir droit à des consultations médicales. Ainsi, les droits de l'homme en Algérie seront à la hauteur des normes internationales.